Et salut à tous les amis, on se retrouve pour un tuto très spécial aujourd'hui. Ça va être un tuto comment avoir la bêta de Black Ops 3 un petit peu en retard avec une nouvelle manière tout simplement qui vient de sortir car tous les autres ont été patchés et cela ne marche plus. Donc si vous n'avez pas encore eu votre bêta, vous inquiétez pas, vous l'aurez comme tout le monde aujourd'hui grâce à ce tuto. Donc tout simplement, pour déjà avoir accès à ce tuto, il vous faut une adresse mail valide, donc qu'elle soit Yahoo, Yopmail, Hotmail, Outlook, ce que vous voulez, c'est pas grave. Donc il vous faut une adresse mail valide. Une fois que vous avez votre adresse mail, vous allez aller sur le site fake name generator, tout est dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc là vous allez créer tout simplement un faux nom avec une fausse carte bancaire, une fausse identité. Donc en sexe vous mettez homme, vous faites exactement comme moi pour être sûr que le tuto marche. Là vous mettez italien et pays vous mettez Italie. C'est juste ici. Générer, vous cliquez sur générer, ça va vous générer tout simplement une fausse identité. Attention, ça charge, il est un peu lent mon PC. Donc voilà, Oscar chinois avec tout ça, hein, tout est écrit ici. Ensuite, vous allez aller sur le site Amazon que je vous mets dans la description, très important. Vous n'allez pas sur le site Amazon en marquant sur Google Amazon, parce qu'il faut aller sur Amazon en italien. Voilà la petite particularité de ce tuto, si ce serait en FR, ça ne marcherait plus. Vous allez vous créer un compte avec l'adresse mail que vous avez créé, tout simplement. Donc, sur bien Amazon en italien, hein, c'est vraiment, je tiens à souligner, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous allez vous créer un compte, si vous ne savez pas le faire, il y a plein de tutos sur YouTube, moi je vais directement à l'essentiel pour avoir cette bêta. Dans la barre de recherche, vous allez marquer Black Ops 3, vous allez le précommander sur la plateforme que vous voulez, donc c'est-à-dire PS4 ou Xbox One, pour avoir le code accès à la bêta. Ensuite, vous allez tout simplement procéder au paiement, je disais, vous allez procéder au paiement. Donc vous allez tout simplement aller sur votre compte, générer un nom aléatoire, vous allez tout simplement copier-coller toutes les informations, donc le nom, vous allez aller sur Amazon, name, coller, ici la ville, on verra juste après pourquoi on le fait pas tout de suite, le cap, le CAP tout en dessous, c'est juste ici, 30, c'est ça, donc pareil, copier. Non, c'est pas là, le cap c'est ici, collé. Numéro de téléphone, normalement il y a déjà un numéro de téléphone, il est où? Il est juste ici, téléphone. Vous avez juste à faire des copier-coller, je vous jure, c'est vraiment très simple. Voilà. Donc pour l'adresse, donc en adresse vous allez mettre exactement comme moi sur l'adresse, je vous mettrai dans la description, vous mettez pause à la vidéo et vous recopiez tout simplement. Donc c'est une adresse italienne, pour une vraie adresse italienne, mais bon, de toute façon on s'en fout, on ne saura jamais le jeu. Donc Cita, tout simplement vous allez mettre Rome, Provincia, vous allez mettre ce qu'il y a ici, hop, j'ai oublié le petit i, vous inquiétez pas, j'ai vu, donc voilà, ensuite si tout ça est rempli, vous pouvez faire continuer, tout simplement, là vous confirmez. Là on s'en fout parce que c'est quand est-ce que vous allez recevoir le jeu, mais vous allez le recevoir jamais, vous faites continuer. Et là on va devoir aller sur la carte bancaire, donc vous allez aller sur Fake Name Generator tout simplement, dans Finance, voilà, donc c'est une Mastercard, le code il est là, il n'y a pas de problème. Nous on est comme ça, copier, coller, numéro de carte, donc c'est ça le numéro, ah alors attendez non je me suis trompé, c'est pas ça du tout. J'ai été trop vite. Ici, c'est le numéro de la carte. Et ici, c'est pas ça, c'est le nom, prénom. Donc, on va remonter. Le nom, prénom est juste ici. Voilà. Date d'expiration. Donc, vous regardez. Date d'expiration 10-2020. Donc, vous faites pareil. 10-2020. Ajouter la carte, ça charge, votre carte est confirmée, continuez, là, vous cliquez là. Voilà, là, ça vous dit les détails de la commande, acceptez la commande. Donc voilà, votre commande a bien été confirmée, numéro de la commande, tous les chiffres ici, et là, du coup, maintenant, ce n'est pas un fake, moi je ferme Amazon, j'en ai plus besoin. Vous allez aller dans votre boîte mail que vous avez créée, vous allez rafraîchir
votre boîte mail, donc deux mails. Je crois que vous n'avez pas encore reçu le premier. Non, là vous avez encore juste reçu ça. Donc on va rafraîchir une fois. Il faut attendre un petit peu, il est un peu long à chaque fois le dernier. Enfin le dernier c'est le plus important. Voilà, donc le dernier est ici comme vous pouvez voir. Et voilà le mail avec votre code de confirmation juste ici. Donc le code vous le copiez, vous le collez, vous allez sur votre site Call of Duty Black Ops 3 pour le précommander, vous cliquez sur accès à la bêta. Bon alors je n'arrive pas à accéder à la bêta, enfin à aller sur le site de Black Ops 3 parce que mon PC bug vraiment de trop, c'est un truc de ouf. Donc vous avez un code ici PS4, pour le premier qui est intéressé c'est un petit cadeau, il est juste ici si vous arriverez à le lire, à faire un zoom. Donc c'est WCCV2BNFFM4HV. Donc ce sera un petit cadeau, c'est un code pour la bêta PS4, allez-y, pour le premier qui verra la vidéo, ce sera un petit bonus pour toi. Donc tu iras sur le site de Black Ops 3. Tu feras accéder à la bêta juste ici. Moi, mon PC, il veut pas, car il bug énormément. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc moi, je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao tout le monde.